Le Parti congolais du travail se place largement en tête après le premier tour des élections législatives au Congo. Annoncé vendredi par le ministre de l'administration du territoire, Guy-Georges Mbaka, le parti du président Denis Sassou Nguesso assure sa victoire avec près de 110 sièges sur 151, tandis que les formations politiques alliées ont remporté 12 sièges. Du côté de l'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale et l'Union des démocrates humanistes confirment 8 élus. Le taux de participation n'a pas été annoncé, mais il serait très faible selon les observateurs du scrutin. Les résultats doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle avant qu'un second tour prenne place pour répartir les sièges restants le 24 juillet.